Quatrième combat de ce contrat. Alors, Volkan Özdemir, c'est marrant, putain, on l'a affronté au tout début. Au niveau de ses stats, hein, il est pas si meilleur que moi. Hein. Commence à se rapprocher des meilleurs. FC 319, 6 semaines de prépa. Waouh, ça c'était du combat. Nice. Un compliment du chef. Putain, je peux toujours pas y aller là, c'est chiant ça. Max. T'as eu de la chance. Il cherche, hein. Il cherche. Regarde un petit peu les techniques. Allez, coup à la tête uniquement, je veux voir des dégâts. Superbe frappe, lâche rien. Putain. Mal, celui-là. Viens avec toi. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. C'est pas ce que j'ai demandé, mais ça a marché. Combo traditionnel, spinning sidekick en deux temps. Ah, c'est joli ça. C'est Awaran qui avait ça dans. Enfin, qui a cette technique dans. Dans Tekken. Combo traditionnel, niveau 3. Bizarre, tout est bloqué là-dedans. Et ensuite intouchable, hein, juste pour voir. D'ailleurs la capacité à éviter les frappes lors du premier round. Ah, juste pour le premier round. Ceinture change de main. Non, non. Ça changera pas de main. Promotion. Voilà. Sparring. Tendance de frappeur, bien. Oh, putain. Bien bloqué. Ça fatigue, hein, les coups de pied. J'avais trop.
dos à son adversaire, mais bon, il y a des techniques qui s'y prêtent. Ensuite, 60. Promotion. KO, premier round. Tout faire pour. Promotion obligatoire. Est-ce qu'il y a des techniques que je peux apprendre qui sont sympas? Faire ça. J'essaie de viser surtout le niveau 5. Allez, quoi la tête uniquement, je veux voir des dégâts. Superbe frappe à la tête. Continue. Superbe encore. Ah, carrément, continue comme ça. Wow, superbe frappe. Encore. Joli combo à la tête, continue. Allez, continue comme ça, c'est superbe. Bien bloqué. Wow, c'est violent, encore. Super combo à la tête, continue. Arrête de nous faire perdre notre temps. Superbe frappe, lâche rien. Reprends-toi et fais ce que j'ai demandé. Superbe frappe à la tête. Continue. Ah, carrément. Continue comme ça. Beau travail. Recommence. Wow, superbe frappe. Encore. Allez, continue comme ça. C'est superbe. Notre temps est précieux, arrête de nous le faire perdre. Wow, c'est violent, encore. Sors ta jambe de là, laisse pas ton adversaire en mi-garde. Superbe frappe, lâche rien. Superbe frappe à la tête, continue. Tu dors, on se réveille, allez. Ah là là, non, pas du tout. Ah, carrément, continue comme ça. Nice. Alors, combo traditionnel, Flying Knee, Lead of Head et El Guapo. Passe à niveau 5. Ah, en plus je l'aime bien cette technique. Ensuite, on a du combo. Niveau 5, ça tombe bien, il n'y a pas longtemps on avait débloqué le
Niveau en dessous. Flying, c'est un coup de pied, je pense. Et le Wapu, qu'est-ce que c'est? Vos coups de pied au corps ont plus de chances de renverser votre adversaire. C'est pas mal ça. Alors, un peu morflé ce soir, mais il rentre quand même chez lui avec la ceinture. Entraînement. Alors, 4e, 5e semaine, un peu de promo. Promotion pour le gymnase. Profitez, hein. Ça a l'air de bien grimper. Semaine. Faire le buzz. Faire comme les stars dans les gradins. À l'événement UFC de ce soir, il faut bien un repérage de la compétition. Ça c'est quand on est venu faire un tour à un événement de l'UFC. Bon. Si j'étais plutôt inquiet par rapport à mes derniers, mais c'est quoi tous ces pouces rouges? Ils aiment pas quand je suis sur les jaquettes. Si j'étais plutôt inquiet par rapport à mes différents combattants là. Là, je suis pas inquiet. Coming up next, a matchup for the UFC light heavyweight division title. Même si c'est l'aspirant au titre. Our tale of the tape for this lightweight championship fight. Plus jeune, plus petit. Some differences in height and reach as well. And once again, here is the veteran voice of the octagon. Bruce Buffer. You ready? All right, here we go. The UFC's light heavyweight title is on the line. All right, so here he is, the UFC champion, and this guy is all the rage. Right now, he might be the front runner for the fighter of the year, given the fact that he was able to knock out the number one contender in his last title defense, and to do so so emphatically in a fight that a lot of people thought was close on paper is really something that could take his career to the next level. Trying to follow that up here tonight. Most guys have succumbed to his power. We'll see if that holds true yet again tonight. Oh, and he connects there. Trying to double up on that jab. All right, first round is underway, and you know what to look out for. He has a powerful overhand punches. That is a big part of his game plan. Every time he makes this walk, it is his go-to punch. We'll see if he can find a home for it early tonight. Splits the guard and connects with the punch. So, pas de mauvais coup.
Ozdemir's uppercut to the head. That one, though, blocked by the defense. Looking to faint with that punch. Ozdemir gets caught with that punch. Got to shore up the defense. La tête s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Just misses with the jab there. Oh, tagged him. Also, he gets clipped once again here, Joe, and he continues. Yeah, looks a little wobbly on his feet. He's trying to hit him on. Big shots. Joli. So holding on to him here, not doing a ton, perhaps just looking to recover. Big body shot. The left hook hits home. Kick to the body by Ozdemir. Oh, very nice. En même temps, je protège. Into the final minute of this championship fight. Just missed with a huge kick. He's clearly hurt. Oh putain, mon coup, on va lui passer, pas juste. Et B, quel round. Ça m'a coûté cher en endurance. Here's a powerful punch that devastates. And let's see that again from another angle. Restez debout, au point sont très efficaces, continuez comme ça, mais méfiez-vous des tentatives de takedown et de clinch. Vraiment, le combat est plus compliqué que ce que je m'imaginais. Occasions. If they continue it this way in this round, someone's gonna get knocked out. Pas ça comme on y... So he's really oh, oh, he's in deep danger right now. Deep danger. Oh, such good movement. C'est chaud. Sound defensively blocks the shot. Et de voilà, on est plutôt au milieu. It's under 3 minutes now to go on the round. Oh, that's a big block, Joe. Oh. He blocks the punch. He's swinging wild. Ah, dommage. Kick attempt is blocked. Under 2 minutes to go here in our second round. Oh, terrible. Charlie Fui. Putain, je déteste sa manière de combattre. Absolument pas marrant. Oui.
joli ça. Corps à corps. Oh dommage. Ah non, c'est dommage. C'était beaucoup d'énergie pour pas grand chose. Ok, là, recule. Fait de l'anti-jeu. Fait de la merde. Il est très fort, mais il a un jeu de merde. Je supporte pas de la merde de Panda. Donc, il y a des sacrés coups. Hein. Oh là là là, ce coup dans l'omoplate qui me couche. Frappe. And here another clean shot lands and another knockdown. Il était joueur de portée bloqué, votre adversaire place beaucoup de frappes et votre visage gonfle méchamment. Troisième round. Here we go, third round of this championship fight. Continuing to work the body to great effect. Even when you block those, they'll still stun you. Misses a huge hook to the head. That one hurt. How about that shin? We show you the total strikes. Off the jab nicely there. Oh, no. He's in big trouble. This fight is dangerously close to being stopped. And just inches away from landing one of those big right hands. C'est le coincé, mais il tourne. Looking to avoid that left hand. Nice combination of strikes there by Ustemir. 3 minutes to go in round three. Well, the right hand has been there at times, not that time. Well, it's all pace and pressure down the stretch. He is really lighting him up now. Well, he's got a strong jab. Missed with it there, though, Joe. Nice. He landed a left hand there. On sait plus avoir d'endurance. Il a mangé l'attaque. Si on est en feu, quoi. Ustemir's overhand punch to the head doesn't get to the target. He telegraphed that one and it gets clean punch. Not there. Almost hits him with that left hook. Tellement long. Qui peut m'attaquer juste après que je lance mon attaque et il me touche le premier. Much improved defensively as he blocks the shot. Allez. Oh. Et lui. Finit toujours avec ce coup de pied, c'est marrant. Et lui. Là, franchement, je pensais à douter. Mais il a une manière de combattre très, très embêtante, ça m'empêche de. Je préfère être à l'offensive, mais à chaque contre, il me désingue. Could be $50,000 richer after that highlight turned in here tonight. And there is the UFC light. Bon, on a gardé notre titre et on va pouvoir affronter le. Notre ami, on va voir. Est-ce que c'est lui qui décide une catégorie? Est-ce que c'est moi qui gagne? Bruce Buffer, he has the official decision. Ladies and gentlemen, referee Dan Migliotta has called a stop to this contest at 4 minutes, 18 seconds of round number 3. Playing the winner by knockout. Et toujours champion du monde.
champion, and after that result, he goes out the way he came in. And still, ladies and gentlemen, and nice to see this moment now as he celebrates with his corner. That was as dominating a title defense as we've seen thus far this year, as he knocks out the number one contender, and really in so doing, sends a message to the other contender types at 205 pounds that it's going to take your best night and best performance. Je suis étonné, hein, du nombre de frappes, je pensais qu'il aurait été largement au-dessus de moi. Nice. 30% attention. On arrive dans le dernier tir de notre carrière. Waouh, le bonus de pay-per-view. Énorme, 600. Trop facile, non. Non, non, je crois pas. Finalement, ça n'a pas été trop facile. Hein. Ça y est, on y est. Dernier combat de notre contrat. Stipe Miocic. Champion en carton, ouais. Tu vas voir. Attends, le carton que tu vas prendre. Ah ouais, il a aussi la ceinture, d'accord. Donc c'est un champion contre champion pour avoir deux ceintures. Waouh. Un buzz très élevé, ouais. Ouais, statistique, on est pas mal. T'as que deux défaites. Toujours pas s'entraîner au kickboxing, hein, c'est chiant. Ah tiens, lui j'y suis. Allez, on va changer, puis tout ça on a plein de thunes. Super combat, le champion lourd léger défie Miocic pour le titre des poids lourds. Après avoir fait parler son potentiel et avoir remporté le titre poids lourd léger, Frédéric aurait pu se contenter de défendre sa ceinture sous la barre des 93 kg. Cependant, Martin n'a jamais fait comme les autres combattants. Pour son prochain combat, il passe en poids lourd pour défier Stipe Miocic dans un super combat. Le monde du MMA est en pleine effervescence. Martin sera-t-il en mesure de remporter un autre titre mondial, ou Miocic est-il hors de portée pour la superstar des poids lourds légers? Le monde entier attend de le découvrir. Ça, c'est sympa, ça. Qu'est-ce qu'on peut apprendre comme technique? Putain, tout de suite au niveau 5. Noguera. Shun. Junior Dos Santos, Axe Kick, les kicks. Excellent. Fabricio Verdum, putain, la vache, du beau monde. Bon, il y avait un qui m'a plein bien plu. Merde. Et du niveau 5. Ici, voilà. Bossez ta précision. Réussis le plus de frappes possible dans le temps imparti. Super, continue. Beau travail, c'est cool. Ça touche, c'est précis, beau travail. Allez, cool, continue. Super, allez, tu continues comme ça. Ouais, allez, continue comme ça. Super, encore. Très bien, continue. Super, c'est exactement ce que je veux voir. Voilà, en plein dans le mille. Superbe enchaînement. Accélère, ton adversaire doit pas reprendre son souffle. Le coup de jab. Il est de uppercut.
catégorie coup de poing. 5. Jab. 5. Coude. Niveau 5. Là, faut qu'on fasse le buzz sur ce. Sur cet événement. Promouvoir. Chez dans prime time. Alors les techniques. Ouais. Attaque soumission. Oh, protection clean superbe. Frappeur lourd. Super, bon blocage. Super, bon blocage. Putain, il défend le sparring, hein. Je veux pas voir ce genre de choses. Reprends une position dominante, allez. Bien bloqué. Oui. Bon entraînement. Petite promotion. On continue. On a vu une pub wow toute la semaine. Bon, au final, la publicité on peut pas la tourner parce que si on le fait, le jeu bug. Donc c'est pas grave, je vais avoir une pénalité parce que j'aurais pas participé. Merde, hein, putain. J'arrête de me blesser, hein. Promo. Ah non, la pub. Hein. Faut oublier la pub. Hein. Stick 1. Ah.
niveau très élevé. J'aurais presque pu faire méga élevé. Oh non! Tournage de la pub, putain! Non, ça a diminué mon truc, hein, c'est dégueu. De toute façon, j'aurais pas pu continuer si. Si je l'avais tourné. Ah, on n'a pas le droit à notre short doré, on n'est pas considéré comme champion. Alors, Martin change de camp afin de se préparer à son prochain combat. Plusieurs sources ont annoncé que Fred a transféré son camp pour le Brésilien MMA en prévision de ce combat contre Stipe Miocic. Martin a commencé à commenter l'information déclarant que la décision n'avait pas été facile, mais la séparation s'est déroulée à l'amiable. J'ai beaucoup de respect pour mon ancienne équipe, j'essaie juste d'apprendre une nouvelle chose. Il y a des affrontements que l'on ne peut simplement pas éviter. Quand deux des figures les plus emblématiques de l'UFC dominent la compétition parallèlement, une chose devient certaine. Ce moment doit arriver. Ce soir, le monde entier va avoir les yeux rivés sur la cage, et vous pourrez dire « Je l'ai vu. J'ai vu ce super fight. J'ai assisté à un combat de titans entre deux légendes du sport. » Car il ne s'agit pas d'un combat comme les autres. Ce soir, deux rois de la cage vont mettre leur couronne en jeu pour prouver leur valeur. L'un de ces champions va repartir avec deux ceintures, tandis que l'autre aura tout perdu. L'enjeu de ce combat épique est tout simplement unique. Super combat. Champion contre champion. All right, coming up next, a matchup for the UFC Heavyweight Division title. All right, so here we go with this epic fight, one of the biggest fights in UFC history. Given what is at stake, here comes the UFC champion trying to add another title in a second division simultaneously. Doesn't happen every day, folks. We could all witness history here tonight. As he steps towards this cage, he understands this is one of the biggest moments in his life, the biggest moment in his career. He is looking to take this title, and he believes his time is now. His preparation has gone perfectly. He is in outstanding shape. He has a great game plan and a great camp, and he believes that he will emerge the new champion of the world tonight after this fight. L'autre champion arrive. Et alors, c'est couleur dorée. C'est vrai que c'est lui le champion de la catégorie UFC Heavyweight Champion. There he is in the flesh. What an absolute monster. What a title reign it has been. But a serious challenge in front of him here tonight. When this man became the heavyweight champion, a lot of people thought that this challenger was the one who would wrest the belt away. Now the fight is here. Le cœur du bonus fight of the night. The champion headed to the cage right now is in the groove. He is in his prime right now. His training for this bout has been perfect. He believes he has a solid game plan and he's ready to step in here and retain his title. He is well prepared for this contest. Our tale of the tape for this, our main event of the evening. Miocic is 4 years his senior. He will have a 2-inch reach advantage. Putain, je suis monté à 120 kilos moi. Alors que je suis à 93. Et on joue, hein. C'est moi. Il
presenting the challenger, Martin. And now introducing the champion, fighting out of the red corner. This man's a wrestler, holding a professional record of 26 wins, 2 losses. He stands 64 inches tall, weighing in at 240 pounds. Fighting out of Independence, Ohio, presenting the reigning, defending, undisputed UFC heavyweight champion of the world, Stipe Miocic. C'est lui qui a battu notre Camerounais national lors du dernier UFC. I am very fired up for this fight. It's been a long time coming. The fans have been anticipating this for a long time, and it is gonna go down right now. All right, here we go. UFC heavyweight title on the line. This should be good. All right, so here we go. The reigning, defending, undisputed UFC champion trying to get off to a good start tonight as he pursues a belt in the second division. He's been talking about mega fights and super fights dating to the early days of his UFC career. Here it is. Wow! This could be it right here. The champ is in big trouble. He's in deep danger right now. Who saw this coming? Lands a giant kick. Connects with the punch there. Oh! He's checking every single one of those. Well, he got cracked to the head there, Joe. He's going to have to change things up here with his footwork, with his tempo. He continues to be vulnerable to that strike coming down. Got to get his head off the stage. Perfectly timed sweep. Relinquish the dominant position. Nice punch there by Miocic. Straight right hand now just misses. He's fainting with the punch. There he goes. Try to establish that jab. Oh, nice leg kick. Yeah, looks a little rocky on his feet. He's in big, big trouble here. Attention, ça pique énormément d'énergie, ces petits coups de pied sympathiques. Okay. Disengage from the clinch. Powerful jab. Oh! Certainly showing off some good hands here tonight. Do here on the clinch and separate. Oh, oh là là. Juste au dix dernières secondes. Beautiful knockout for the KO victory as the round was ended. On aura fait gagner les combats. You know, we see fighters all the time go for a takedown late in the round, but you don't see that every day. The flush knockout just before the final horn, the referee wisely jumping in to stop the fight. Gorgeous technique and a great job to catch the other guy when maybe he was thinking about the end of the round. Now he doesn't see it. Instead, he's staring up at the bright lights. Well, stand and cheer, ladies and gentlemen. He wins the super fight to become a two-division UFC champion. That is rarefied air in the Ultimate Fighting Championship. Et qui est le double champion? Alors, bien sûr, il n'a qu'une ceinture dans les mains. Knockout and new undisputed UFC
put a belt over his shoulder, he has become a two-division UFC champion here tonight. Rarefied air. Only a select handful of guys in the history of the Ultimate Fighting Championship have won a belt in two divisions, and you can add his name to that list. Absolutely incredible what he accomplished in this arena here tonight. Il va lui falloir un porteur. Pour avoir manqué le tournage. Oh, par contre, bonus de pay-per-view 3 millions. Oh putain. Ça rapporte hein, d'être double champion. Qu'est-ce que je veux dire là? I'm Megan O'Leary and this is your UFC minute. Remember when we were telling you that you shouldn't miss this past weekend's monumental super fight? I hate to be that person, but we told you so. The fans were buzzing, the world was watching, and the Bell Center in Montreal, Quebec was at capacity last weekend when the UFC light heavyweight champion challenged the heavyweight title holder in an epic super fight. When it was over, he had silenced the critics and made history as one of only a handful of fighters to become a world champion in two weight classes. That's it for today. Stay tuned for your next UFC Minute, and I'll see you at the fights. Qu'est-ce qui me dit en fait Frédéric Hamin vit déjà dans le futur, il n'y a pas d'autre solution possible. Nouveau contrat. Légendaire. Oh la vache! À vie! Contrat de combat? Attends, c'est un contrat à vie? Avec 500 000 par combat et 500 000 par victoire. Devenez le meilleur combattant de tous les temps. Moi je signe. Au passage. Waouh. Et bien on fera ça dans une prochaine vidéo.